Je cultive la terre de mes pères, je prends soin des prairies de mes mères. J'ai le pays dans le sang, je sens les éléments dans mon sang. Je cultive la terre à mon image, cette terre tendre et sauvage, cette terre dure qui s'étend, cette terre libre qui m'apprend. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La terre, je l'aime trop pour la blesser, je veux la rendre plus belle, je veux la rendre plus saine, qu'elle nous pardonne nos errances. La terre, je la connais trop pour lui mentir, elle est l'alliée que j'admire, cet allié naturel qui nous pousse quand les courants nous freinent. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. La terre, elle me connaît par cœur, elle connaît mes humeurs, écoute mes douleurs, accompagne mes rêves. La terre, elle me donne le sens, me rappelle les saveurs, ravive les douceurs, les couleurs de mon enfance. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, quand elle danse, je la suis. J'apprends la pluie, j'apprends le vent, et puis j'entends ce que le silence me dit. J'apprends le ciel, j'apprends la lune, je la comprends quand elle danse, je la suis. J'ai quelque chose de très important à vous dire. La seule chose que vous deviez retenir de ce soir, chose absolument fondamentale pour moi, c'est la vie est belle. La vie est belle. Clairement. La vie est belle. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une idée un petit peu naïve d'un homme, un franciscain de surcroît qui a tendance à s'émerveiller assez facilement de la nature? La vie est fondamentalement belle. Et je vais vous en donner quelques exemples. Mais qu'est-ce qu'on appelle la beauté? La beauté, il y a toute une dimension culturelle dans la beauté. Certains aiment bien les jardins à la française, bien droits, bien taillés, bien réguliers. D'autres aiment des jardins beaucoup plus farfelus. D'autres voient la beauté dans un beau paysage. Lorsqu'on est un petit peu sur le coteau au-dessus de ce marais, du marais Vernier, voilà, on a devant nous un paysage de toute beauté. Mais lorsque nos yeux parcourent le paysage, il y a des choses qui nous attirent plus que d'autres. Notamment les vieux arbres. Voilà. Et les enfants disent oui, on aime bien les vieux gros arbres. Ce sont des arbres dans lesquels on peut monter dedans, on peut faire des cabanes. Ils sont tout tordus, tout tortueux, ils sont merveilleux. On aime bien jouer à côté des vieux arbres. Il y a quelque chose de très authentique dans le regard des enfants. C'est qu'eux ont une notion de la beauté qui est très instinctive, qui n'est pas encore déformée par la culture.
Je me suis posé cette question, mais dans les choses que je trouve belles dans la nature, est-ce qu'il n'y aurait pas des façons de s'orienter ? Il y a quelques années, j'habite en Corrèze. Corrèze, donc, c'est notamment le pays de l'homme de Néandertal. Il y a Yves Coppens, donc, le papa de Lucie, qui était venu faire une conférence et qui nous expliquait qu'en fait, les hommes préhistoriques aimaient bien se mettre dans des lieux un peu particuliers, et notamment des lieux de légers promontoires, d'où ils pouvaient voir le paysage au loin, voir si peut-être une bête féroce ne venait pas les attaquer. Et c'est vrai qu'on aime tous avoir une belle vue dégagée devant nous. On trouve ça beau, mais il y a peut-être quelque chose de très fonctionnel. On aime bien s'asseoir, le père de famille aime bien s'asseoir dans la cuisine avec le dos au mur et les portes en face. D'avoir quelque chose derrière soi. Une falaise, combien de maisons troglodytes des hommes préhistoriques se sont construites derrière des falaises. Ouais, et puis on trouve ça beau, ces maisons contre les falaises. N'y aurait-il pas une fonctionnalité dans cette beauté du mâle alpha qui veut dominer et surveiller la situation ? Les vieux arbres, pourquoi est-ce qu'on les trouve beaux ? C'est vrai qu'ils ont souvent été sacralisés ou sacranisés, je ne sais plus comment on dit, rendu sacré. Il y a quelque chose de très particulier là-dessus, au point d'y installer nos divinités. C'est étonnant. Il y a peut-être des choses de très fonctionnelles là-dedans. Alors, je vais commencer par un vieil arbre. Avant d'être un vieux chêne, c'était un jeune gland. Bon, ça, c'est pas une feuille. Je n'ai pas trouvé de chêne avec des feuilles. L'automne est passé par là. J'ai pris cette petite branche de bouleau pour évoquer un arbre. Lorsque la graine germe, il y a une première tige qui sort. Et de cette première tige naissent des tiges secondaires. Vous voyez ? Et bien lorsqu'on analyse génétiquement l'extrémité de chacune de ces tiges, on ne trouve pas exactement la même chose. Il y a un phénomène qu'on appelle de l'épigénétique. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait, ça recouvre toute une série de phénomènes complémentaires, mais qui arrive finalement à ce que, sur un arbre, à chaque fois qu'un méristème secondaire, donc un bourgeon apparaît, il y a une petite branche qui sort, et chaque petite branche a un génome un petit peu différent. À quoi ça sert ? Imaginons que ce petit arbre pousse à l'ombre, il va peut-être y avoir un de ces petits bourgeons qui va avoir une meilleure aptitude que les autres à pousser à l'ombre. Parce qu'il aura des feuilles plus larges, une cuticule plus fine, qui lui permettra de mieux supporter l'ombre. Mais ce petit bourgeon aura un avantage évolutif par rapport au reste des branches et poussera un petit peu mieux. Cet arbre va pousser à l'ombre, et puis là va apparaître un moment, l'arbre qui est à côté de lui va tomber. Quelqu'un va le couper ou une tempête va le déraciner. Il ne sera plus du tout adapté à pousser à cet endroit-là. Mais il se trouve qu'à cet endroit-là, justement, il y a une petite branche qui a déjà une configuration génétique qui va lui permettre de pousser en plein soleil. Et c'est celle-ci qui prendra un avantage évolutif. Finalement, l'arbre, ne pouvant pas se déplacer, agit différemment. Et dans son architecture, il y a là le moyen de s'adapter à une grande évolution. Arrivent des pucerons, justement la petite branche qui est là va avoir une cuticule un petit peu plus épaisse. Et donc les pucerons auront un peu plus de mal à la piquer, parce que ce sera plus épais.
ils se développeront donc plus mal là-dessus. Cette petite branche donc deviendra résistante aux pucerons. Au fur et à mesure qu'un arbre pousse, ben, toutes les petites branchouilles qui ne lui auront pas servi, qui n'auront pas eu d'avantage par rapport au reste des autres petites branches, ben, ces petites branches vont disparaître. Hein? Ou alors elles vont être dans ces petits bourgeons latents que l'on voit quelquefois ressortir dans l'écorce. Mais par contre, toutes les autres se seront adaptées au fur et à mesure à leur environnement, à leur climat. Et donc, au bout de 300, 400, 500 ans, tous les gènes qui auront été utiles à l'arbre auront été activés. Et sur un vieil arbre, en fait, va se retrouver, ben, plus l'arbre sera vieux, plus il aura activé une espèce de mémoire génétique qui le rendra de plus en plus apte à être adapté à son environnement. Là, on peut concevoir que sur des arbres très vieux, qui ont vécu des neiges en été, des canicules en hiver, des tempêtes exceptionnelles, eh bien, toute la génétique qui aurait pu lui être utile est activée et donc opérationnelle. Et au bout de cet arbre, de ce vieil arbre, tous les petits glands qui vont émerger auront ben justement le génome le plus adapté au lieu dans lequel cet arbre a vécu. Et plus l'arbre est vieux, plus ce génome sera résilient, donc adaptable. Alors on peut concevoir par là qu'un très vieil arbre soit une grande sagesse. Alors toutes les petites graines qu'il va émettre, même si dans la petite graine il n'y a que la génétique du pied mère, hein, il y a le père qui vient aussi là-dessus, mais ça crée toute une abondance de graines qui vont être particulièrement bien adaptées au milieu dans lequel il se trouve. Voilà un premier élément qui donne finalement une grande utilité aux vieux arbres. Ils ont une mémoire génétique. On a été étonné de constater que la plupart des plantes ont un génome vraiment énormément plus important que le génome humain, par exemple. Le riz a 17 fois plus de gènes qu'un Homo sapiens. Un petit framboisier, il y a entre 20 et 23 fois plus de gènes, on ne sait pas très bien, qu'un Homo sapiens. Tous ces gènes, en fait, sont des mémoires qui permettent aux plantes de s'adapter à de grandes différences d'environnement. Voilà, donc ces vieux arbres qui ont déjà vécu des réchauffements climatiques, des hivers glaciaux, ben ces vieux arbres qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui, s'ils ont résisté, c'est peut-être parce qu'on les a oubliés par endroits. C'est peut-être parce que on les a sacralisés. C'est peut-être aussi parce que ils ont acquis cette fabuleuse adaptation qui manque aux jeunes arbres. Donc voilà, c'est tout un savoir, toute une bibliothèque de connaissances actives qui se trouve dans les vieux arbres. Étonnant. Mais bon, dans la nature, hein, tout est redondant. Il y a nécessairement plusieurs fonctions, plusieurs choses qui vont faire qu'un vieil arbre est très utile. Une autre fonction nous vient de ça. Ces champignons. Alors ça, ce sont des pleurotes que
Yves cultive ici. Mais sur les racines des arbres, il y a d'autres types de champignons que cela. On appelle ça des champignons mycorhiziens. Les mycorhizes, au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Quand j'ai commencé mes études, c'était à Nancy, on nous expliquait qu'il y avait 10% des plantes qui étaient mycorhizées, donc qui vivaient en association avec des champignons. Puis finalement, quelques années après, on a dit qu'il y avait 20%, puis 30%. Dans les années 2000, on est arrivé à 70%. Aujourd'hui, on est à peu près à 90% des plantes qui sont mycorhizées obligatoirement, et 10% des plantes qui le sont facultativement. Quelques rares plantes, comme les nénuphars, qui vivent dans l'eau, qui, elles, ne sont pas mycorhizées. Parce qu'on n'a pas encore trouvé le champignon. Dans les années 2000, on disait que les vignes n'étaient pas mycorhizées parce qu'on n'avait pas repéré le champignon qui était dessus. Maintenant, on sait que les vignes sont mycorhizées. Et en plus, elles sont incapables de vivre sans leurs champignons. Voilà, c'est un milieu, une connaissance qui est tout à fait étonnante. Mais Francis Allais, un botaniste que j'apprécie particulièrement, je vous recommande ses lectures. Francis nous explique que les plantes, lorsqu'elles sont sorties de l'eau, au début du Carbonifère, on va dire, elles ont dû inventer le bois pour sortir de l'eau. Dans l'eau, il n'y a pas besoin de bois. L'eau pour les algues les soutient correctement. Sortir de l'eau nécessite d'inventer du bois. C'est une invention tout à fait prodigieuse qui a été réalisée chez des plantes qu'on appelle des lycopodes, les plantes les plus archaïques qui ont du bois. Ensuite, il a aussi fallu qu'elles inventent les racines pour se mettre en relation entre le milieu humide du sol et le milieu aérien. Il a fallu qu'elles inventent les cuticules pour protéger leurs feuilles. Il a fallu qu'elles inventent en fait toutes sortes de choses absolument extraordinaires. Elles n'ont pas pu tout inventer en même temps. Et le premier système racinaire des plantes, finalement, donc ça a pu être montré sur de nombreux fossiles de lycopodes, les premiers systèmes racinaires des plantes, c'était des champignons. Et donc les premiers lycopodes n'avaient pas de racines. C'était des champignons qui leur servaient de racines. Et ensuite, dans l'évolution, les racines sont apparues non pas pour assimiler, elles sont apparues pour optimiser la relation qu'elles avaient avec les champignons. Ensuite, quand les plantes à graines sont arrivées, la plante à graines, donc la petite semence, quand elle va germer, elle ne va pas forcément tomber à côté d'un champignon qui va la faire vivre. C'est là que les plantes ont aussi inventé le poil absorbant, qui va permettre à la graine d'être autonome. Enfin, il y a déjà les réserves qui sont dans la graine, puis après, à être autonome, jusqu'à ce qu'un champignon, qu'elle rencontre un champignon mycorhizien, qui, elle, va lui permettre de vivre. Je vous défie de trouver sur un chêne qui a plus de 6 feuilles, un poil absorbant. Il n'y en a plus. Dès la 6e feuille, les chênes vivent avec des champignons mycorhiziens et ne sont plus capables d'émettre des poils absorbants. Sauf dans quelques rares conditions que l'on maîtrise dans les laboratoires. Mais dans la nature, c'est plutôt compliqué. Voilà, les champignons sont les véritables systèmes racinaires des plantes. Et donc, le champignon donne à la plante des sucs, de l'eau, des sels minéraux. Les champignons sont très très forts pour aller récupérer les sels minéraux qui existent dans le sol. Le phosphore, la potasse notamment. Ces choses, le fer, le sélénium, le molybdène, le bore, toutes ces choses-là, c'est les champignons qui le distribuent. Et la plante, en échange, va donner un petit peu de sa sève. Enfin, quand on dit un petit peu, c'est 20% en moyenne. Une espèce de TVA à 20%. Les arbres, toutes les plantes donnent 20% de leur sève pour nourrir un champignon. Et ce champignon, donc, leur apporte de l'eau et des nutriments en échange. Sur certains arbres, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus. On a pu mesurer, certains chênes vont donner jusqu'à 40% de leurs nutriments pour nourrir leurs champignons. C'est vraiment énorme. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que ces champignons mycorhiziens relient toutes les plantes entre elles.
On a pu mesurer expérimentalement qu'un même champignon était relié à 20 plantes différentes. On a pu mesurer, de la même façon, qu'un arbre pouvait avoir une quarantaine de champignons mycorhiziens différents. Et en traçant notamment le phosphore d'une plante à l'autre, on a pu se rendre compte que du phosphore réparti à un petit endroit du sol pouvait se retrouver en une dizaine de jours sur plus de 1000 mètres carrés, réparti de racines en mycélium, de mycélium en racines, dans toute la forêt. Et donc ainsi, les champignons contribuent au transport des nutriments. Mais au-delà de ça, il se passe quelque chose d'assez troublant. Lorsqu'il fait jour, l'arbre transpire. Donc on imagine très bien que le flux de sève part du champignon, va dans l'arbre et se retrouve dans l'atmosphère, sous forme de l'eau qui s'évapore. Mais la nuit, c'est le contraire. L'arbre arrête de transpirer, et donc la sève élaborée de l'arbre descend dans les racines et va dans le champignon. Et cette sève élaborée, en allant dans le champignon, va en même temps transmettre sur ses nutriments, mais toutes les informations qui sont activées par la plante qui va les émettre. Ça peut être mesuré expérimentalement. Par exemple, lorsqu'une plante est attaquée par un puceron, elle va émettre des petits messages, comme des petits emails, qu'on appelle des ARN. Et ces petits emails vont se concentrer toute la journée dans la mycorhize, et la nuit, quand le flux s'inverse, ces ARN qui disent « attention, attaque de pucerons » vont être répartis dans tout le réseau de champignons, et après dans tout le réseau des plantes avoisinantes. Ce qui fait que toutes les plantes autour acquièrent cette information qu'il y a des pucerons. Alors imaginez notre vieil arbre, dont toute la génétique est particulièrement bien activée, vu que depuis 500 ans, 600 ans, 700 ans, il a sélectionné toutes les informations pertinentes pour un environnement donné. Notre vieil arbre va transmettre dans toutes les plantes qui sont autour ces informations précieuses. Ça va être le premier, parce qu'il a déjà été attaqué une fois par la petite psylle que personne, qu'aucune autre plante n'a encore rencontrée. Lui, comme il a déjà rencontré cette plante-là, il a les parades en lui pour résoudre ce problème. Et donc, ce message va se transmettre aux arbres alentours. Voilà, donc la mémoire des vieux arbres ne concerne pas que l'arbre tout seul. Elle est également diffusée dans toutes les plantes qui sont autour, qui acquièrent donc l'information qui va leur permettre génétiquement de s'affiner, de se perfectionner. Un petit peu comme le fait notre système immunitaire. La première fois qu'on a une rougeole, on a la rougeole. Certains globules blancs vont garder cette information dans notre moelle osseuse. Et lorsqu'on sera une autre fois attaqué par le virus de la rougeole, on aura en nous les ressources qui nous permettront de résoudre et de soigner la maladie. Ces vieux arbres agissent de la même façon. Ils retransmettent toutes ces informations et sont un petit peu les glandes immunitaires de nos écosystèmes. Alors vous allez me dire, la mémoire du vieux chêne, est-ce qu'elle va concerner le framboisier qui est à côté ou ma culture de blé? Étonnamment, oui. Ou du moins, peut-être, parce qu'on n'a pas tout étudié. Mais les messages que véhiculent les plantes, pour certains, sont suffisamment universels pour que toutes les plantes les comprennent. Et quand un problème arrive quelque part, il ne faut pas croire que nos plantes sont des êtres passifs. Bien plus rapidement que ce que l'on imagine, elles acquièrent l'information et développent en elles
les ressources génétiques qu'elles ont qui vont leur permettre de s'adapter. Voilà. Et cette information ne circule bien, finalement, que grâce aux champignons, qui constituent l'espèce de web dans lequel circulent ces emails. Là, on comprend tout de suite, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, soit agriculteur, forestier ou simplement admirateur de la nature, on comprend tout de suite l'importance qu'a ce réseau mycorhizien. Ce qu'il permet d'anticiper des problèmes en diffusant d'informations d'un danger potentiel quelque part. Voilà, c'est quelque chose avec lequel on peut essayer de fonctionner, quelque chose avec lequel on peut essayer de travailler. Oh, la vie est belle, hein. Mais bon, Bill Mollison disait qu'il fallait toujours trouver trois bonnes raisons. Là, il n'y en a que deux. La troisième que je vais développer est du même ordre aussi. Un arbre, tous les 100 ans, la biodiversité que l'on mesure dans la canopée d'un arbre va augmenter de 30%. Donc on va dire que si un arbre a 100 ans ou 150 ans, a 50 bestioles, une centaine de bestioles dans sa canopée, à 150 ans, il en aura 130. Et à 250 ans, il en aura 270. Et comme ça va monter. Hein. 500 ans, 600 ans, 700 ans. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde là-dessus. Toutes les bestioles qu'il aura dans son feuillage, et là, on mesure que le feuillage. Hein, on pourrait faire, j'imagine, le même genre de mesure au niveau des racines. Ça serait à peu près pareil. Hein. Mais toutes les bestioles qu'il y a dans son feuillage, c'est quoi ? C'est tous les parasites, toutes les pucerons, toutes les petites galles, toutes les mouches, toutes les chenilles qui viennent de manger. Et également, toutes les bestioles qui viennent manger ces parasites. Alors, on avait fait des travaux assez étonnants là-dessus, hein, sur les liens entre les plantes. Pour que, dans les bestioles qui vont manger, par exemple, des pucerons, il y a des coléoptères, des petits scarabées. Ces scarabées sont très spécifiques des associations de plantes dans les écosystèmes dans lesquels ils se trouvent. Alors pourquoi ? Il y a sûrement plein de raisons, mais une des raisons qu'on a identifiées, c'est que... Imaginez qu'il y ait des pucerons sur une culture de blé, des pucerons sur les ronces qui se trouvent dans la lisière à côté du blé, et puis des pucerons sur le chêne. Ces pucerons vont arriver à des moments particuliers de l'année, chaque puceron à un moment particulier de l'année, et les bestioles qui vont se développer seront justement celles qui auront leur cycle de développement au moment où il y aura des pucerons. Comme la seule plante qui est très stable dans notre écosystème, c'est le vieil arbre. C'est lui qui va conserver et qui va héberger finalement le plus longtemps hein, les animaux et les auxiliaires qui vont être utiles pour toutes les cultures qui sont autour ou pour toutes les plantes qui sont autour. Voilà, et donc ce vieil arbre va sélectionner et héberger des animaux qui seront très en phase avec tous les animaux qui aura, enfin tous les pucerons notamment, mais si on est là, quand on étudie les pucerons, mais pareil avec toutes les autres bestioles qui peuvent se trouver autour de ce vieil arbre. Et là, ben, on en arrive finalement à ce que dans un vieil arbre de 500 ans, autour duquel il y a eu régulièrement ben, des cultures de blé, des cultures de colza, dans lequel il y a eu régulièrement toutes les plantes sauvages qu'on a dans nos écosystèmes, et bien que ce vieil arbre va avoir dans sa ramure tous les auxiliaires qui vont nous être utiles. Et ensuite, ben finalement, notre travail d'agriculteur, notre travail de permaculteur, ou même de jardinier, va être de réfléchir
à la façon dont on va organiser le transfert et le voyage de tous les petits insectes qui vont se trouver dans notre vieil arbre avec le reste de nos parcelles. Voilà, donc ce vieil arbre, finalement, a aussi cette mémoire absolument extraordinaire de la vie. Alors, c'est une autre forme d'immunité, hein, mais voilà, tous les remèdes qui vont servir à soigner les plantes autour de lui seront bien là. Donc, chaque fois qu'on abat un vieil arbre, on abat une bibliothèque vivante tout à fait extraordinaire. Lorsqu'on sait que depuis la dernière glaciation, depuis 10-12 000 ans que Homo sapiens est venu dans ces contrées avec son agriculture, toutes les plantes qui se sont développées ici, toutes les plantes que nous avons apportées avec nous, sont en lien très étroit les unes avec les autres. Et donc ces vieux arbres, s'ils nous attirent, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils nous protègent. Ils nous protègent de la famine, ils nous protègent des ravageurs, ils nous protègent même peut-être de nous-mêmes. Je pense que c'est pour ça qu'on en a fait des êtres sacrés. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait peut-être de nouveau sacraliser ces vieux arbres. Nous avons détruit énormément de choses dans nos campagnes. Et donc, il est de notre responsabilité de laisser croître et pousser de nouveaux vieux arbres dans un écosystème à peu près résilient. On pense, comme dans les forêts équatoriales, qu'il nous faudrait un arbre de plus de 500 ans par kilomètre carré. Mais dans une exploitation de 100 hectares, quels sont ceux qui ont un arbre de plus de 500 ans? Plus personne. Voilà. Alors, peut-être que je vous raconte une histoire. Mais peut-être que des solutions que nous offre la nature sont à notre portée. Encore faut-il que des personnes suffisamment sages, suffisamment clairvoyante, prennent cette charge, cette fonction ou cette mission de protéger ces vieux arbres et surtout de faire en sorte qu'on les laisse vivre, quoi, et qu'on en laisse d'autres arriver à devenir de vieux arbres. Aujourd'hui, dans ces phases de changement climatique, de grande incertitude sur l'avenir des écosystèmes, d'effondrement de la biodiversité, on connaît tous ça par cœur. Comment faire? Comment faire? Là, c'est début de semaine, j'étais à Vézelay,
Désolé, vous savez, c'est le début d'un grand pèlerinage qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec mon ami Hilde, nous avons traversé le Morvan et nous avons été chercher quelques semences de quelques vieux arbres multicentenaires. Voilà. Ouais, c'est châtaigne. Elle ne paye pas de mine. Sauf que le châtaignier qu'il a porté a déjà vécu des réchauffements, des étés caniculaires. A déjà vécu... Et alors, c'était assez curieux. C'est dans le lieu où on l'a trouvé, c'était le seul qui avait des châtaignes. Hein, un endroit où tous les autres arbres avaient souffert de la canicule. Lui, il avait bien résisté. Hein. Après, les mauvaises langues diront, oui, mais il y avait plus de sol, enfin, il était mieux. Oui, peut-être. Mais n'empêche que... Voilà. Ce chêne. Oh, un chêne qui payait pas de mine, hein, dans un chaos rocheux. Un chêne tout tordu. C'était le seul qui avait des glands. C'est pareil. Voilà. C'est... graines sont un don précieux de la nature. Un don qui, dans lequel se trouvent probablement les solutions qui vont nous permettre de nous adapter à ces évolutions, à ce changement climatique. Voilà. Donc, je les laisse à la disposition de tous ceux qui veulent les planter. Ces graines, ça ne se conserve pas longtemps. Hein. Il faut les semer. Et donc, les diffuser. C'est comme ça que procède la nature. Elle produit beaucoup de graines. Il y a des animaux qui les dispersent. Et lorsqu'il n'y a plus beaucoup d'animaux pour les disperser, il y en a peut-être un autre, un petit homo sapiens, qui peut prendre ce rôle. Voilà, c'est sûrement une des choses les plus importantes à faire ensemble, à faire avec des enfants, en éduquant les gens, en leur apprenant que de planter un arbre, ça nous engage. Ça nous engage sur l'avenir, ça nous engage sur 500 ans. Ça nous engage même sur 1000 ans pour que ces vieux arbres acquièrent la mémoire et puissent à leur tour la transmettre à d'autres arbres qui redeviendront des vieux arbres. Aucun organe politique ne fera un programme sur 1000 ans. C'est pourtant celui-ci qu'il nous faut faire. Et lorsque je parcours la France, et que j'arrive dans des lieux tout hétéroclites comme ici, mais des lieux habités par des gardiens de la vie, et bien voilà, je me dis que tout aussi alternatif que ces lieux soient, voilà, c'est peut-être les lieux les plus utiles qui existent aujourd'hui pour l'avenir de l'humanité, pour notre avenir sur Terre. Donc, bravo à vous tous. Et surtout, n'oubliez pas, si nous faisons tout ça, c'est juste parce que la vie est belle. Merci. La terre de mes pères, je prends soin des prairies de mes mères, j'ai le pays dans le sang,
Je sens les éléments dans mon sang. Je cultive la terre à mon image. Cette terre tendre et sauvage. Cette terre dure qui s'étend. Cette terre libre qui m'apprend. J'apprends la pluie.